Madame, Monsieur, on y travaille très fort. Et le fait d'y être prouve que nous avons des liens qui nous unissent, des sujets qui nous tiennent à cœur, des rêves qui nous passionnent et aussi des défis à relever en tant que Québécois fiers de nos identités et de notre terre d'accueil. Les listes de la diversité du Québec, il n'y a pas plus Québécois que cela. Et diversité, cela se voit, cela se perçoit. Il importe de trouver le biais qui puisse permettre à la société de mieux se reconnaître dans cette diversité. C'est sur l'importance, avant de parler de reconnaissance, de parler de connaissance. Ce qu'on se disait entre nous, c'est que les gens ne connaissent pas ce que font les gens de la diversité. Il y a vraiment une méconnaissance et il va falloir qu'on commence à travailler là-dessus. Et ça, Donald est parti avec ça parce qu'il est tenace. Il s'est associé avec des gens, ils ont monté les Assises de la diversité. On a eu droit au cours des dernières années à plusieurs Assises de la diversité, dont deux qui ont eu lieu à Radio-Canada. Et il arrive maintenant, l'étape de la reconnaissance est arrivée et ça va être le 25 avril au Théâtre Outremont. Il y a un comité qui a travaillé là-dessus déjà depuis un an qui travaille très fort. J'espère que vous allez être là pour les encourager. Nous, de notre côté à Radio-Canada, on ne voulait pas seulement que ça demeure des mots et pas seulement des vœux pieux. On nous demande des gestes concrets. C'est ce que je vous demande ce soir aussi, c'est de faire des gestes concrets puis de participer à cette rencontre-là le 25. Nous, à Radio-Canada, on a décidé de s'investir comme partenaire. Donc, on a assuré qu'on investirait en argent 10 000 $ et il y aurait dans ce 10 000 $-là un 5 000 $ qui serait remis en bourse aux gens le soir du gala des listes de la diversité. Parce qu'on trouvait ça important que concrètement ça paraisse. C'est clair aussi qu'à Radio-Canada, on va assurer aussi une couverture du gala. Aïda Zenova, qui travaille aussi à radiocanada.ca, nous en parlait, m'en parlait un petit peu plus tôt. Alors, c'est en train de s'organiser aussi avec le RDI. Alors, soyez assurés que Radio-Canada, on va être là. Il est temps que les gens issus de la diversité trouvent leur place et qu'on leur donne leur place. Todos queremos que vale la pelusa, pelusa por aquí, pelusa por allá, pelusa va adelante, pelusa por atrás. Todos queremos que vale la pelusa, todos queremos que vale la pelusa, pelusa por aquí, pelusa por allá, pelusa va adelante, pelusa por atrás. L'on senti la vie en menacé, yeah, yeah. L'on senti que on va les tomber, de les tcha-tcha, de les tcha-tcha, boy. Hey, hey, hey. Les wap marchés n'en fait noir. L'on senti la vie à tête en bas, yeah, yeah. L'on senti on va le petit. On va voir, c'est un clip d'une minute et une seconde qui va être comme le clip promotionnel qui va circuler sur les réseaux sociaux et qui va faire la promotion du gala. Alors là-dedans, on trouve toutes les informations qu'on a citées aujourd'hui, mais en une minute. Donc voilà. Et j'ai la fierté de le dire, c'est la firme raison de plus que je dirige, donc, qui s'occupe de la communication du gala. C'est une grande fierté pour moi. C'est un bon travail. Merci.
On est avec la directrice générale de Radio-Canada International, cette porte-parole un peu de ce gala. Comment vous trouvez cette initiative pour aider la diversité? Les listes de la diversité, c'est un événement fondamental, c'est un événement porteur. C'est le moment privilégié pour reconnaître ce que font les médias de la diversité. Parce que vous savez, les médias de la diversité, ce sont les gens qui sont en contact avec les gens, avec les gens des communautés culturelles, qui ont vraiment en extrême proximité avec les gens. Et en ce sens-là, c'est extrêmement important de faire rayonner la diversité via les médias de la diversité et aussi de reconnaître le travail qu'ils font. Parce que ces médias-là reconnaissent le travail des gens qui œuvrent dans les communautés. Pensez-vous que des initiatives comme celle-là, on devrait en avoir encore plus ici au Québec? Écoutez, c'est une première. J'espère que les gens vont y prendre goût. Je pense qu'il y a différentes formes de reconnaissance. Il faut être, je pense, novateur, puis imaginer d'autres choses. Les listes de la diversité, ça demeurera les listes de la diversité comme étant quelque chose d'unique, je pense. Mais d'avoir d'autres reconnaissances, je pense que ça s'impose. Il faut absolument proposer autre chose. Je pense qu'il faut que les gens soient dynamiques et proposent de nouvelles façons d'aborder la diversité. Utiliser la créativité pour trouver de nouvelles activités pour promouvoir la diversité. Merci beaucoup, madame. On est avec Madame Louise Harel. Qu'est-ce que ça vous fait d'être parmi les membres du jury de ce gala? Alors, en fait, c'est un honneur parce que ce jury est vraiment composé de personnalités de tous les milieux. Et c'est finalement cette possibilité de rendre hommage à des hommes et à des femmes qui ont vraiment été les pionniers de la diversité dans les médias d'information. Moi, je suis convaincue que plus on leur donnera d'espace et plus ils auront une marge de manœuvre, plus la diversité se sentira reconnue et appréciée et plus l'intégration sera facilitée. Pensez-vous que la place de la diversité a une place assez importante ici au Québec? Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Il y a entre autres des problèmes d'intégration à l'emploi, y compris pour la deuxième génération, pour celle qui a les mêmes diplômes, la même scolarité, les mêmes talents, la même formation. Et là, il y a vraiment une barrière à traverser. Et il faut secouer actuellement la société montréalaise et québécoise parce que ça ne pourra pas continuer comme ça. Voyez, par exemple, la ville de Montréal, c'est le plus grand employeur, 22 000 employés, et la diversité fait à peine 5 %. Ça ne pourra pas continuer. C'est pour ça qu'il faut des initiatives comme celle-là pour pouvoir ouvrir la porte aux diplômés qui viennent ici. Oui, parce que c'est finalement la possibilité à la radio, dans les journaux, à la télé. Les médias ont tellement d'importance maintenant que la représentation du portrait de famille montréalais, c'est la diversité. Et il faut donner ouverture à cette représentation dans les médias. Celui qui a eu l'idée de proposer ce gala pour promouvoir la diversité, Monsieur Donald Jean, bonsoir. Bonsoir, mon ami. Comment ça va? Je vais très bien. Comment vous est venue l'idée d'arriver avec un projet comme celui-là? Ben, écoutez, c'est parce qu'on avait vu qu'il n'y avait pas suffisamment de place pour les gens qui sont issus d'une minorité ou qui ne sont pas de la majorité. Et puis, on a dit qu'on a vu que le Québec, c'est tout autre. Il fallait que l'on puisse voir ces visages à l'écran, qu'on puisse les entendre à la radio, qu'on puisse les voir à travers la presse écrite. Et c'est tout ça. L'initiative n'était pas facile. Il fallait en discuter. Il fallait faire un état des lieux, que ce soit dans la presse écrite, que ce soit dans le web, dans la radio, à la télé et dans le financement. Et après avoir fait tout ça, maintenant on s'est dit que c'est le moment de la reconnaissance. Il fallait organiser le gala et c'est pour ça que c'est prévu pour le 25 avril. Alors là, c'est l'événement qui nous a permis de mettre tout en orbite pour faire en sorte que les gens croient dans ce projet-là. Et là, ils ont vu toute la masse de gens qui a répondu à nos appels aujourd'hui. Et là, franchement, ça nous fait chaud au cœur. Vous avez travaillé très, très fort pour que ce gala prenne vie. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de voir autant de monde réunis sous une même place pour assister à la conférence de presse pour cette première édition du gala? Écoutez, je n'ai pas de mots.
parce que moi, je suis un Saint Thomas aussi. J'attends le moment venu pour voir effectivement dans les faits que les gens sont là, qu'ils répondent à notre invitation. On a pu voir ça dans les réseaux sociaux, oui, que les gens en parlaient. On a pu aussi voir que les gens ont appelé, envoyé des courriels, mais on attendait que le moment se présente. Et là, c'est vraiment époustouflant, c'est vraiment... on réagit vraiment avec émotion par rapport à ça pour dire aux gens que cela nous va droit au cœur. On a compris et le fait qu'ils se sont déplacés, qu'ils se soient déplacés pour venir assister à ce grand lancement. Et nous avions choisi ce mot grand lancement et ça prouve que ça a été effectivement un grand lancement. Et là, maintenant, on met tout en œuvre là, pour que notre gala puisse devenir la grande fête de la diversité ici au Canada, au Québec en particulier. Et voilà. Merci beaucoup, M. Donald John, et félicitations encore une fois. Merci à MTL et merci à vous également. Et là, continuez de faire votre beau travail. Qu'est-ce que vous pensez de ce gala? C'est un... qu'on reconnaisse les gens issus de la diversité, que ce soit des diversités ethniques, linguistiques, d'orientation ou de capacité physique, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont des handicaps. Bravo! Pour une fois, on va voir que dans la diversité, quelle qu'elle soit, il y a une richesse. Et il faut arrêter d'avoir peur de l'autre. Il faut plutôt essayer de comprendre les différences et se les approprier et trouver la beauté dans la différence. Alors, moi, ça m'enthousiasme d'être une petite partie prenante des listes de la diversité. Et surtout, ça me touche beaucoup d'avoir été honoré par Média Mosaïque comme une des personnalités 2012. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez d'initiatives de ce genre-là, comme ce soir? Malheureusement pas. Alors, c'est pour ça que quand une fois qu'il y en a une, ben il faut vraiment miser là-dessus. Il faut vraiment faire la promotion comme vous en faites ce soir. Il faut vraiment dire aux gens, c'est beau d'être différent et c'est une richesse à valoriser. On est avec la directrice générale du VU d'Afrique. Bonsoir, Madame Géraldine Lechêne. Bonsoir. Comment vous trouvez cette initiative de créer un gala pour valoriser la diversité? Je pense que c'est très important parce que la diversité est très grande. La population montréalaise, québécoise est présente. On a énormément de talents. De talent dans les médias, de talent artistique qu'il faut valoriser. On y croit beaucoup parce qu'on est nous-mêmes, VU d'Afrique, pionniers de la diversité culturelle. Donc on encourage ce genre d'initiative pour nous faire grandir, pour montrer nos talents et nous faire aller de l'avant. On est avec M. Pierre Michel, l'un des artistes qui a assisté aujourd'hui à la conférence de presse de ce gala qui est axé sur la diversité. Comment vous trouvez cette conférence de presse? Comment vous trouvez cette initiative? Mais j'ai trouvé que c'est une très très belle initiative. Il était temps justement de mettre à la une les gens qui viennent de communautés multiethniques à Montréal, qui composent justement cette belle vie québécoise, cette société québécoise. On fait partie, on collabore, donc on est là, on existe. Donc c'est bien justement de montrer qu'il y a des têtes, des artistes, des très grands qui œuvrent à l'intérieur de cette communauté ethnique ou du moins multi-ethnique au Québec. Et puis j'ai trouvé aussi que les gens ont répondu nombreux. Ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Ça veut dire que ça les tenait à cœur. Et j'espère que... Absolument, absolument. Ils veulent savoir, ils veulent découvrir.
découvrir. Quand j'ai vu que Radio-Canada avait fait le déplacement, ce qui est rare le plus souvent, parce que étant artiste moi-même, ce n'est pas facile de faire déplacer ces gens-là. Si on n'est pas très très connu, on n'est pas québécois de souche, ils ne se déplacent pas, je le dis carrément, je dis tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Mais de voir qu'enfin, ils comprennent et ils ont fait le déplacement pour venir découvrir, pour venir appuyer, pour venir épauler, ben écoutez, je pense qu'il y a un grand pas qui a été franchi et puis je suis... Justement, vous êtes bien placé pour savoir s'il est difficile de percer ou d'avoir des subventions ou n'importe quoi dans le monde de la musique ou dans le monde, n'importe quel monde, pour des personnes issues des minorités visibles. Est-ce que c'est véritablement une difficulté de plus que confrontent les artistes d'ici? Absolument, parce que nous venons d'ailleurs et puis eux ils sont d'ici et c'est comme ça qu'ils le voient malheureusement. Et même si ça fait des années qu'on est ici et qu'on se dit québécois, on est québécois après 3 ans. Moi je dis qu'un immigrant peut se sentir carrément québécois, québécoise après 3 ans, ça suffit, on collabore, on est là, on met la main à la pâte et on paye des taxes, voilà. Mais malheureusement nous artistes, on réalise que ils ne comprennent pas que nous aussi, on a besoin de micro, d'une reconnaissance, effectivement. Après 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis il n'y a rien qui se fait, et c'est à bout de bras qu'il faut aller les chercher. Enfin, quand je dis les médias québécoises, québécois de souche, alors on se dit, il y a quelque chose qui s'est mal fait. Donc, on a du mal à percer, on le dit toujours, on le dira jamais assez. Et même des enfants d'immigrants qui sont nés ici, qui n'ont jamais été dans leur pays d'origine et qui sont carrément québécois, mais québécois qui ont avec une autre couleur de peau, mais qui sont carrément québécois parce qu'ils sont nés ici, ils ne connaissent qu'ici, et des artistes comme eux qui ont du mal à percer. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas malheureusement la peau blanche. Malheureusement, moi je ne dis pas que je suis pas fier de ma couleur de peau. Heureusement, j'adore la couleur de ma peau, mais je dis malheureusement parce que c'est ce que cette dite société aurait aimé voir, une peau blanche avec des yeux bleus, des yeux verts, des cheveux blanc, et puis là c'est plus facile, les portes seront ouvertes beaucoup plus facilement. Je trouve ça dégueulasse, je trouve ça affreux, je l'ai toujours dénoncé moi dans mes spectacles. Et puis de toute façon, moi je n'ai jamais attendu qu'on vienne me chercher. Moi je suis toujours, quand j'ai vu que j'ai assez essayé et qu'on ne m'a pas entendu, qu'on ne m'a pas compris comme on devrait me comprendre, je continue mon bonhomme de chemin, puis je vais frapper sur d'autres portes pour montrer que j'existe, pour montrer que je suis là pour durer et perdurer. Donc oui, ça n'a pas été facile, c'est toujours le cas, c'est pas facile. Et quand je vois un genre de gala comme ça qui essaye justement de donner plus de visibilité à nous les immigrants, et ils veulent dire à la société québécoise que nous avons de très belles choses à leur apprendre. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour tous ceux qui sont issus de la diversité. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci.